Alors que la mode est de relancer d'anciennes programmes cultes du petit écran, M6 aurait l'intention de proposer une version senior du Bachelor, l'émission de dating à succès du début des années 2000. Si y est-il dans les vieux pots? Après le retour de Star Academy, Secret Story et l'île de la Tentation, si y est-il un autre programme culte des années 2000 qui s'apprête à faire son grand retour à l'antenne? Ce jeudi 9 novembre, nos confrères du Parisien révélaient en effet que M6 planchait actuellement sur le grand retour du Bachelor, le gentleman célibataire. Mais attention, l'émission de dating dans laquelle un ou une riche célibataire doit faire son choix parmi des dizaines de prétendants ES, sera proposée dans une version destinée aux seniors. Un créneau qui semble donc porteur après la diffusion estivale de Ma mère, ton père, L'amour et moi sur TF1. Golden Bachelor, quand et où sera diffusée l'adaptation senior du Bachelor? Pas question donc, de retrouver des profils comme Olivier Siroux, alors âgé de 32 ans lorsqu'il avait essuyé les plâtres de l'émission diffusée sur M6 de 2003 à 2005, puis sur NT1 de 2013 à 2016. Ce Golden Bachelor, produit aux États-Unis par Warner, sera d'après nos confrères proposé d'ici quelques mois sur M6. Véritable carton outre-Atlantique, l'émission a réuni près de 4,4 millions de téléspectateurs pour son lancement sur ABC en septembre dernier. Et si est-il Jerry Turner, un veuf de 72 ans qui y est mis à l'honneur? L'âge de ses prétendantes? Entre 60 à 75 ans. Golden Bachelor, quel est le concept et qui va animer l'adaptation senior du Bachelor sur M6? Le concept du Golden Bachelor restera identique au format historique qui a notamment révélé Sandra Lou, avec les rendez-vous en amoureux ponctués des mythiques séquences de la remise de la rose, sauf pour l'éliminer. Point, le choix de l'animateur n'aurait pas encore été arrêté. Pour rappel, si est-il Stéphane Rothenberg qui tenait les rênes du Bachelor classique sur M6. Un format qui, on s'en souvient, avait été parodié par Jonathan Cohen dans sa série La Flamme, diffusée sur Canal+ en 2020.